Bonjour à tous, la séance démarre en baisse pour le marché parisien. Mais on suivra Technip FMC, le prix de référence des actions est de 33,77 € pour le démarrage de la vie boursière du nouveau groupe ce matin à Paris. Après un niveau de commande record au deuxième trimestre fiscal, la tendance s'est révélée un peu moins favorable pour Alstom sur le troisième trimestre de son exercice clos le 31 mars. Et puis la fin d'exercice s'est plutôt bien passée pour Casino, puisque le groupe a enregistré au quatrième trimestre un chiffre d'affaires en progression de 4,2% sur une base comparable en glissement annuel. Et le bilan du marché automobile européen est très positif en 2016. Même si sa croissance s'est un peu atténuée en fin d'année, l'Europe a enregistré une progression des immatriculations de véhicules particuliers de 6,8% par rapport à 2015. Le groupe Renault affiche 12,1% de croissance, soit 10,1% du marché. Il est numéro 2 derrière le groupe Volkswagen et passe devant PSA Group, dont la part de marché recule de 10,4% à 9,4%. Fin de ce flash et je vous retrouve tout à l'heure à midi.